Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue parmi nous pour cette première journée du championnat 2022-2023 à domicile. Notre troisième place obtenue la saison passée lors de la dernière rencontre fut une nouvelle fois honorifique. Le petit point qui nous séparera des premiers nous laissa cependant quelques regrets. Nous jouerons cette année notre 9e saison consécutive en Pro A avec une équipe différente, plus fort sur le papier et des ambitions marquées comme toujours. La plupart des équipes sont renforcées également à l'intersaison, rendant notre championnat compliqué comme jamais. Beaucoup auront l'objectif de jouer les play-offs en fin de saison. Il y aura 4 places dans cette ultime phase et nous espérons être de la partie. Notre victoire à Chartres, il y a 2 jours, est une bonne entrée en matière face à une équipe qui en surprendra plus de cette saison. Nous souhaitons la bienvenue à Cergy Pontoise, le club le plus titré de la Pro A, qui a remporté 2 fois la Champions League en 2014 et 2016, et qui a été champion de France en 2015 et 2016. Pour Pontoise et Cergy, il a été longtemps et récemment encore dans le top 10 mondial. Il est numéro 1 dans son pays, le Portugal. Il a été champion d'Europe par équipe en 2014, finaliste des championnats d'Europe en simple en 2015, vainqueur de la Champions League avec Pontoise en 2014. Il jouait les saisons précédentes en Russie. Il est numéro 2 national. Merci d'applaudir Marcos Freitas. Il est membre de l'équipe de France. Il a été champion d'Europe en simple en 2016, champion de France en 2017 en simple et en double. Il a remporté en 2019 le Pro Tour de Biélorussie. Il y a quelques semaines, il a fait trembler la France en ramenant l'or en double mixte au championnat d'Europe à Munich, et cela en direct sur les chaînes de télévision nationales. Il est numéro 5 national. Merci d'applaudir comme il se doit, Emmanuel Lemaison. Il jouait la saison passée en Pro B à Metz et joue sa première saison en Pro A. Il est numéro 55 national, Esteban Dor. Accueillons le coach de Pontoise, Benjamin Brochard. Pour Jura Moré, il est membre de l'équipe nationale de Finlande, numéro 1 dans son pays. Il a été vainqueur du Pro Tour du Nigeria en 2016, quart de finaliste des championnats d'Europe en double mixte en 2016, quart de finaliste cette année au Pro Tour du Qatar. Il a terminé la saison passée sur 13 victoires consécutives. Il est dorénavant numéro 9 national. Il est membre de l'équipe nationale de Corée du Sud, numéro 1 actuellement dans son pays. Il est vice-champion du monde en titre en double. Il a remporté l'Open de Biélorussie en 2016 en double, la grande finale de l'ITTF en double en 2018. Il a remporté l'Open de Pologne en simple en 2018. Il est numéro 1 national. Merci d'applaudir Il est membre de l'équipe nationale de Tchéquie, numéro 1 dans son pays. Il a été quart de finaliste des championnats d'Europe en simple et par équipe en 2021. Il s'était brillamment qualifié pour les derniers Jeux Olympiques de Tokyo en remportant le tournoi de qualification internationale. Il est numéro 19 national. Merci d'applaudir Lubomir Jean-Carry. Il a été 8 fois champion de Slovénie, 2 fois vainqueur de la Bundesliga avec le club de Frickenhausen,
trois fois vainqueur de la Coupe d'Europe ETTU avec les clubs de Montpellier, Frickhausen et de Saarbrücken. Il est numéro 15 national, Bojan Kovic. Il est numéro 2 dans son pays, le Mexique. Il est le responsable technique de notre club, ainsi que le coach de nos différentes équipes, Salvador Uribe. Accueillons maintenant les arbitres de cette rencontre, Monsieur Christophe Gros. Et Madame Karine Capelli Pointé. Nous remercions maintenant nos principaux partenaires financiers, le Conseil départemental du Jura, la ville de Morée, la communauté de communes Arcade, la société Géomédia, le garage des sports Amorbier, le groupe Mélanie et son ancienne Suzuki. Merci également nos sponsors, la société Stiga France, la société Tedoli Construction et l'hôtel Kyrian Amorée. Nous rappelons que notre club organise des stages ouverts à tous à chaque vacances scolaires. Nous allons maintenant laisser les joueurs regagner leur loge et lancer la première partie qui va opposer Liv Jong-un à Esteban Dor.
Go! 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 Go!
Et nous faisons cette première manche pour Lim Jong-un, 11-8.
Allez-y. Temps mort demandé par l'équipe de Pontoise Sergi. Thank you.
De seconde manche pour Esteban Nord, 13-11.
Alléluia. Allez.
Voilà.
Come on, brother. Oh. Et fin de cette première manche pour Marco Freda, 11-3.
Hugo. Par l'équipe de Boré. Yes.
Et fin de cette seconde manche pour Martos Reda. Allez, 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 allez
Johnny. Cette seconde rencontre avec la victoire de Marcos Retas sur les scores de 11-3, 11-8, 11-5. La prochaine rencontre opposera Ola Petedec à Emmanuel Lemaison, mais avant cela, la pause. Vous avez la buvette et comme d'habitude, vous pourrez à manger pour les affamés et à boire pour les assoiffés.
Amen. Thank you.
première manche pour Bell, 11-8. Allez, 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 allez
Allez, 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 allez. Seconde manche pour Emmanuel de Besson, 11-8.
Oui. Come on. Hello. Hello.
Amen. Et fin de cette troisième manche pour Emmanuel Lebesson, 11-9. Come on.
Très bien.
Come on, come on, come on. Allez. Ivan. Ivan, allez. Et les fans de ce temps mort, allez mesdames et messieurs, on encourage Ben, on fait du bruit. Allez Ben, allez pour les. Allez Ben. Come on, come on, come on.
Et suivi donc de cette quatrième rencontre, Vision Food et Marcos Prédas. Allez, mesdames et messieurs, veuillez oui pour lui, bon encourage. Allez, Lime, adoré. Allez, Lime. Allez.
la Bible. Thank you.
Alléluia.
Et fin de cette troisième manche pour Marcos.
Allez, 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 allez.
Allez, Livre, allez. Et fin de cette quatrième manche pour Marcos Pretas, 11-7. Thank you.
Thank you.
Alléluia. Allez.
Allemand.
Allez, le beau. Allez, une 37. Allez.
Et je fais de cet endroit, mesdames et messieurs, du coup, pour le bruit, on la courage. Alléluia, thank you.
Thank you.
Oh!
Et je vais rester content avec la victoire de Lubomir Jankalic sur le score de 15-13, 11-8, 11-8, donnant ainsi la victoire à Moret 3-2. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci de votre venue et je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre à domicile, ici même le 11 novembre. Donc, prochaine rencontre le 11 novembre, ici même à la Citadelle.